de Jésus ensemble. Est-ce qu'on peut faire ça? Allez, nous chantons ensemble. Quand je crois avoir tout vu. Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus, toute la grâce qu'il me faut. Ensemble. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Mais mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais la cour de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle moi. Une grâce après l'eau. Une grâce après l'eau. Une grâce après l'eau. Ensemble. Tu me mènes jour après jour vers de nouveaux sommets. Au contact. Au contact de ton amour, mon cœur change à tout jamais. Sa faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Ton cœur se une grâce après l'eau. Une grâce après l'eau. Ensemble. Une grâce après l'eau. Yeah. Et ton cœur se révèle. Et tout le monde danse. Yeah. Yeah. Une grâce après l'eau. Oui, ton cœur se Jésus, c'est aujourd'hui. Ok, ok. On va déclarer ces paroles ensemble. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines. Tu termines ce que tu commences. Jésus. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Une grâce après l'eau. Une grâce après l'eau. Ensemble. Une grâce après l'eau. Ton cœur se réveille. Encore. Une grâce après l'eau. Combien ici aime Jésus aujourd'hui? Hey, non, non, non. Je dis combien aujourd'hui aime Jésus? Aujourd'hui! Hey. Attends, pour toutes les personnes en ligne, combien aime Jésus en ligne? Vous les avez entendus? Hey. Qu'est-ce qui c'est bon d'être dans la maison de Dieu, d'être dans la présence de Dieu? Amen. Là où deux ou trois sont réunis, Dieu est au milieu d'eux. Donc aujourd'hui, la présence de Dieu est parmi nous. Dieu est ici parmi nous. Dieu est ici parmi nous. Est-ce que tu t'en rends compte? Dieu est ici parmi nous aujourd'hui. Et il y a une grâce nouvelle pour toi. Il y a une grâce nouvelle pour toi qui regarde en ligne aujourd'hui. Peut-être connecté par hasard. Mais Dieu a une grâce nouvelle, spécifique, particulière pour toi.
Merci Jésus. Parce que tu es ici au milieu de nous, au milieu des joies, au milieu des chants et des danses. Tu t'es réjoui comme un père se réjouit lorsqu'il voit ses enfants jouer en sa présence. Et Seigneur, on répand nos cœurs devant toi. On choisit, peu importe ce qu'a été notre semaine, peu importe ce que l'on vit dès à présent, on choisit de retourner à la posture d'adoration, Seigneur. Et te dire de venir faire ta volonté en nous, Jésus. Fais ta volonté, Seigneur. Alors que nous revenons au cœur de la louange. Lève ta voix, centré sur toi, Jésus.
Bonjour à toi, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir, une vraie joie d'être avec vous. Est-ce que vous allez bien? Vous avez choisi de vous connecter, alors restez accrochés. Mais seulement, soyez prêtes à quelque chose. Ça va peut-être vous brasser de l'intérieur. Dis à ton voisin, ta voisine, ça va peut-être te brasser. Les premières minutes vont aller te chercher. Je vous aime, vous tous qui êtes en ligne, et j'ai vraiment un message pour vous. Et hier soir, alors je préparais encore, je revoyais toutes mes notes pour être sûr que j'étais bien aligné avec ce que le cœur de Dieu voulait. Lorsque je pensais à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, j'ai comme un espèce de poids, un énorme fardeau. J'étais avec mon épouse et je suis super heureux, j'ai une épouse qui m'aime, j'ai des enfants merveilleux, tout fonctionne bien dans ma vie. Mais j'avais comme des... Sincèrement, même physiquement, il y avait un tel poids sur mes épaules que je me suis mis à pleurer, mais bêtement, quoi, dans mon lit. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, tout va bien. Et je dis, mais Dieu, pourquoi là? Qu'est-ce qui se passe? Et vous me croirez ou pas, mais c'est comme si j'ai ressenti, comme si le Saint-Esprit me disait, je veux que tu puisses vivre ce que les personnes auxquelles tu vas parler demain sont en train de vivre. Des personnes qui vivent une sécheresse affective telle que je voudrais que tu puisses expérimenter et que tu puisses comprendre que ce n'est pas juste un discours ou des paroles en l'air. Ça va aller chercher les gens. Donc, je suis tout cœur avec vous et on va lire sans plus tarder dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, une des histoires les plus troublantes de la Bible. Abraham, qui est pourtant un homme de foi extraordinaire, va prendre une décision terrible un jour. Il va mettre du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Agar, c'est sa seconde femme, en fait, qui était son esclave avant. En les plaçant sur son épaule, il lui donna aussi l'enfant et il la renvoya. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beersheba. L'eau qui était dans l'outre, donc tu vois, elle avait... Abraham, c'est quelqu'un plutôt organisé, il lui avait dit, voilà, tu vas aller vers là, mais elle s'est perdue dans le désert. Et elle a une outre en peau de chèvre, comme on faisait à l'époque, qui tient 2-3 jours, mais l'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors elle laissa, parce qu'elle n'est pas seulement une femme qui vient de se faire rejeter, mais elle est également une mère célibataire qui amène un garçon qui doit avoir une dizaine d'années, un jeune ado, et du coup elle est en défaillance physique, son corps lâche, son âme lâche, ses émotions lâchent. Et elle dit... Elle laissa l'enfant sous un buisson, elle alla s'asseoir à l'écart, à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Et elle resta assise en face de lui, en gémissant et en pleurant. Alors là, vous avez le summum de la sécheresse affective. Et Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange appela Agar du haut du ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, et c'est une parole pour quelqu'un en cet instant, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Les plans de Dieu ne sont pas arrivés encore, comme tu n'as pas vu ce que Dieu est sur le point de faire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent pas seulement chaque matin. Tu vas voir des choses que tu ne penses même plus qu'il est possible de voir. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits, elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Et Dieu fut avec lui. Alors mes amis, un jour ou l'autre dans notre vie, on passe tous par un moment comme Agar de sécheresse affective. Ces moments-là, tu ne peux pas forcément les anticiper. Mais c'est comme si ce que tu as bâti, les relations affectives, les relations émotionnelles sur lesquelles tu comptais s'effondrent. Vous allez me dire, tu es en train de parler du fait d'être quitté. Est-ce que tu es en train de parler de quelqu'un qui devient veuf? Est-ce que tu es quelqu'un qui devient célibataire après des années? Pas seulement. Oui, vous vivez cette situation-là, mais je parle aussi à tous ceux qui sont mariés.
Et le paradoxe dans cette histoire, ça serait de faire un cliché et de dire, c'est parce qu'elle est célibataire, parce qu'elle est rejetée, qu'elle est en détresse affective. Mais je vais vous dire quelque chose d'autre. Sarah, elle est absolument carencée affectivement. Sarah également, bien que mariée, a un espèce de vide affectif gigantesque, un trou béant dans son cœur. Et même Abraham! Alors vous voyez le cliché, on dit, tu te rends compte, le gars, il a deux femmes et tout, le fantasme des hommes, polygame et tout. Il est malheureux comme les pierres. Malheureux comme la pierre. En fait, c'est comme si dans ce triangle affectif, Agar est désespérée, mais Sarah va pas mieux et Abraham non plus. Donc quel que soit ton statut matrimonial, que tu sois en couple, que tu sois seul, que tu sois divorcé ou que tu sois fiancé, vous pouvez tous passer, on peut tous passer par un moment de sécheresse affective. Et c'est ça que je voudrais voir avec vous. Et je propose deux choses. Vous êtes là? Vous n'avez pas éteint? Merci. Vous êtes courageux. Soit vous raisonnez avec vos forces humaines, et c'est ce qu'on va voir en grand 1. C'est comment chacun des personnages, avec ses moyens, va essayer de s'en sortir pour combler le vide de son cœur. Quelle va être la stratégie de Sarah? Quelle va être la stratégie d'Agar? Quelle va être la stratégie d'Abraham? Aucune de leurs stratégies va réussir à les combler. Et du coup, je verrai avec vous, si vous voulez bien, quelle va être la stratégie de Dieu. Écoutez bien. Dieu a une stratégie différente pour chacun. Surtout, arrêtez de vous comparer. Ce qui est bon pour l'autre, pour ta voisine, pour ta cousine, pour ton frère, n'est pas vrai pour toi forcément. Nous sommes des êtres uniques, spécifiques, corps, âme et esprit, et on a tous besoin d'une solution divine. Grand 1, les solutions humaines, notre réflexe naturel. J'aimerais que chacun ici, et toi qui regardes cette vidéo, que tu te mettes à la place de chaque personnage et que tu essayes de te dire qu'est-ce que toi tu aurais fait à leur place. Ok. On va voir d'abord Sarah, le personnage de Sarah. Sarah, c'était... Elle est née à Ouran-Chaldée, dans une belle ville de Mésopotamie. Elle a rencontré son chéri qui était Abraham. Ça a été le coup de foudre. Vous savez, je voudrais pas rendre jaloux quelques hommes dans la salle qui sont un peu machos, mais Sarah, elle appelait Abraham mon Seigneur. C'est beau quand même. Il y en a qui disent on a perdu tous nos acquis sociaux, nous les hommes. Hein. Parce que la dernière fois que j'ai entendu une femme appeler son chéri son Seigneur, on va voir que ça a d'autres inconvénients. Mais bref, elle était so in love. Abraham était pour elle son eau, sa source. C'était Abraham qui remplissait ses besoins. Et tant qu'Abraham était à côté d'elle, elle pouvait traverser tous les déserts. Ils sont partis de Mésopotamie, ils ont traversé le désert de Judée, ils sont même arrivés en Égypte. Et là, il s'est passé quelque chose. Elle a épousé Abraham. À l'époque, on ne sait pas que ça va être le père des croyants. Et, tu sais, quand tu te maries, tu ne sais pas ce qui va devenir ton futur gars. Hein. Toi, tu le prends, il a juste eu son bac. Hein. Tu ne sais pas si ça sera un futur riche ou un pauvre, un raté ou un... Tu ne sais pas, c'est tirage aléatoire. Hein. Et là, il s'avère que Abraham, c'est le monsieur le père des croyants. Ouah ! Yes ! Sauf que le père des croyants, le protecteur, monsieur Abraham, il s'est troué en Égypte, mais lamentablement. Elle avait une confiance absolue dans Abraham. Elle était prête à le suivre aux extrémités de la terre et Dieu le sait parce qu'elle l'a fait. Sauf que son chevalier, lorsqu'il est arrivé en face du Pharaon, il l'a largué. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour une femme que de vivre ce moment où l'homme sur qui tu comptes et sur qui tu as placé toutes tes espérances et tes attentes, il te trahit. Et Abraham, pour esquiver... parce qu'il a peur, il a mis sa femme dans le lit de Pharaon. Ça, on n'en parle pas souvent du père des croyants qui a fait ça. Sarah, elle a dû décristalliser, mais à mort ce jour-là. Quand elle a dû coucher avec le Pharaon pour sauver son mari qui fuyait. C'est ça la vraie histoire. Et même il y a un moment où elle dit, et ça, je vais vous dire parce qu'on va arriver au point difficile. À partir de ce moment-là, il s'avère que Dieu a fait, c'est mon interprétation, mais le texte le justifie. Elle dit, Dieu m'a rendu stérile.
Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'à ce moment-là, ils sont au début de leur mariage, Dieu a permis que le premier enfant de Sarah ne soit pas un fils de Pharaon. Et parfois, Dieu permet qu'il y ait certains problèmes et certains blocages dans ta vie parce qu'il sait que si jamais il ne mettait pas ces sécurités-là, ta vie partirait en vrille. Sauf que les années passent et la stérilité dure. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 10 ans. Et au bout de 10 ans, nous dit le texte de Genèse 16, elle pète un câble et elle dit « Je n'en peux plus de ne pas avoir d'enfant. » Voici quelle était la sécheresse affective de Sarah. La sécheresse affective de Sarah, c'était « Je pense qu'en ayant un enfant, je serai comblé. » C'est faux. Et là, je pense à toutes les femmes et tous les hommes qui rêvent d'avoir un enfant. Elle va mettre une attente absolue dans le fait que ça soit cet enfant qui va lui apporter le bonheur qu'elle manque, dont elle manque. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Et voilà la stratégie. Au bout de 10 ans, elle craque, elle dit « je ne sais pas comment faire ». Et elle va dire « je vais utiliser les coutumes locales ». Elle va se comparer à ses collègues, elle va se comparer à sa cousine. Vous savez que le jour où vous vous comparez, vous êtes sur le mauvais chemin. Le jour où tu te dis « je ne supporte plus d'être différente de l'autre », ça va te faire faire des bêtises dingues. Écoute, je parle à quelqu'un en cet instant. Arrête de te comparer aux autres. Hey, tu sais pas quoi ? Arrête Instagram, arrête Facebook, arrête YouTube. Arrête de regarder la vie des autres qui s'affichent là. Parce que ça va te faire faire des bêtises. À force de voir les autres qui avaient des bébés, Sarah va dire à Abraham, tu sais pas, le pharaon, il nous avait fait un cadeau là. Un cadeau de compensation quand j'avais couché avec lui. Il nous a filé une jeune esclave, je ne sais pas quel âge avait Agar à cette époque-là, elle devait avoir 10-12 ans quand elle a été adoptée au service de Madame Sarah. Et du coup, Agar maintenant est en âge d'avoir des bébés. Et elle est certainement très dépendante. Sarah se dit « j'ai une maîtrise absolue de cette Agar-là ». En plus, elle dépend complètement de Sarah. Alors Sarah va dire à Agar, couche avec mon mec, couche avec mon homme, je récupère le bébé à la naissance, tu vas être une mère porteuse, hein, c'est ça qu'elle demande, mais ça sera mon gamin. L'enfant, il est né, qu'est-ce qui s'est passé au niveau affectif pour Sarah ? Est-ce que son vide a été comblé ? Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Échec total de la stratégie de Sarah. Quelle était la stratégie d'Agar ? Alors là, je vais parler à toi, toi qui regardes ce message, toi qui es dans la salle, et qui te dis, si jamais j'ai un homme, toute ma vie va changer. Si je me case, je change de vie. Et si possible, si tu t'appelles Agar, tu dis, je vais essayer de taper un mec le haut du panier. Tu vois, pas un bédouin de base, tu vois. Je vais prendre le chef de tribu. Et je pense que ce jour-là, quand Agar a sa maîtresse qui lui dit « Est-ce que tu veux devenir la seconde épouse du leader, du boss ?» Agar, elle, elle a besoin d'un mec, elle a besoin d'un statut social. C'est une émigrée, elle n'a pas de papier, elle ne parle pas la langue, elle n'a plus ses parents, elle n'a plus ses cousines, elle était égyptienne, elle est dans un pays qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas de quoi se raccrocher, et tout d'un coup, on lui dit « tu vas avoir un mec, et en plus c'est le chef de la tribu ». Elle ne calcule même pas, elle en a marre, elle se dit « ok, j'y vais ». Et sa stratégie, c'est de dire « l'homme va me combler ». Punaise, malheureuse. Mais t'es folle. Tu crois que lui, il va te rendre heureux ? Mais non. Je parle à quelqu'un en cet instant. Si tu mets ton espoir dans un homme, ou dans une femme d'ailleurs, pour tous les gars, vous êtes mal barrés les amis. Abraham ne va pas la protéger non plus. Il n'a pas déjà protégé sa première femme. Qu'est-ce qui va te protéger toi ? À un moment, quand Sarah va être tellement jalouse de Agar, Sarah va commencer à dire à Abraham, « Dégage-la ! Dégage-la ! Dégage-la ! » Elle me méprise. Et c'est vrai que, vous voyez, pour Agar, sa stratégie, c'était de dire,
en ayant monsieur, j'ai les papiers, je deviens... Tu vois, avant j'étais esclave, maintenant je deviens une madame. Tu vois, chez les bédouins du désert, là, avant on rencontrait... Hey, Agar, là, viens laver, là, viens laver. Maintenant on dit, Madame Agar, bonjour. Vous direz à Abraham combien je l'apprécie, hein, très chaleureux. Tu vois, elle a un statut social. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus à s'inquiéter pour sa nourriture, elle n'a plus à s'inquiéter pour son logement. Vous savez qu'aujourd'hui, notamment en Île-de-France et dans toutes les métropoles, quel est le premier critère de pauvreté? Le manque de diplôme? Non. C'est quoi le critère de pauvreté? Le célibat, mes amis. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que la vie et le coût du loyer est tellement élevé dans les métropoles du monde entier que le fait d'être célibataire vous fait porter sur un seul salaire la charge de la totalité. Et je peux vous dire qu'elle a juste fait des calculs économiques, Agar. Elle s'est dit, j'épouse le monsieur, ça va aller. Erreur, parce que quelques temps plus tard, elle va juste être une mère célibataire et perdue dans le désert. Donc, échec de la stratégie. Ne te confie pas dans une personne. C'est ce que je vous dis, je vous le répète. Enfin, Abraham. Alors Abraham, quelle était sa stratégie, lui? Quand on étudie un petit peu la personnalité d'Abraham, c'est le père des croyants, c'est le père de la foi. Mais il a énormément foi en Dieu, et quand il fonctionne avec la foi, il est incroyable. Mais quand il fonctionne sans la foi, il recherche juste la sécurité et la paix. Beaucoup d'hommes dans leur couple. Mesdames, écoutez, vous croyez que votre homme est intéressé que par le sexe? Non. Il est intéressé par le calme. Il y a deux, trois hommes qui ont rigolé, je ne veux pas vous dénoncer les gars. Mais juste de rentrer et qu'il n'y ait pas d'embrouille à la maison. Et là, le polygame d'Abraham, il croyait qu'en ayant une deuxième femme, ça allait mieux aller. Là, c'était la folie dans le ménage. Ouais, tu vas la dégager l'esclave, là, tu me la vires. Tu veux dire que l'injure, là, elle tombe sur toi. Mais c'est toi qui m'as mis dans mon lit, là. Après, il va voir Agar. Et Agar, t'as vu comme elle est méchante, ta femme. Tu m'as dit d'aller la quitter. Tu l'as quittée ou pas? Mais tu l'as quittée. Abraham, là, et les hommes, arrêtez les conquêtes, là. C'est un mauvais plan, là. C'est un mauvais plan. Dieu n'a jamais été pour la polygamie. C'était qu'un truc que les hommes ont imposé à Dieu, mais il n'a jamais trouvé que c'était une bonne idée. Dieu n'a pas fait Adam et Ève et Ève. Hein. Il a fait Adam et Ève. Il n'y a que vous qui essayez de trouver un autre truc. Ça, ce n'était pas prévu. On oublie. Non, franchement, Dieu ne s'est pas raté dès le début, il savait ce qu'il fallait faire. C'est après Cain que c'est parti en vrille. Les amis, Monsieur Abraham, arrête de fuir. Abraham, sa stratégie, c'est il espère qu'en laissant pourrir la situation, ça va s'arranger. Non. Bref, trois stratégies. Sarah, j'espère qu'en ayant un enfant, mon vide affectif va s'arrêter. Agar, en ayant un mec, mon vide affectif va s'arrêter. Abraham, en laissant le temps pourrir, ça va se régler. Aucune des stratégies n'est bonne. Alors restez là, je voudrais vous donner quelques principes, si vous voulez bien, vous voulez les noter, quelques principes qui font que Dieu a une véritable solution pour chacune de ces personnes, mais qui n'est pas la même. Vous êtes prêts, on s'accroche ensemble? Déjà, il y a des trucs qu'il faut arrêter. Il faut arrêter d'idolâtrer quelqu'un. Tu dois vraiment arrêter d'idolâtrer quelqu'un. Et je parle pour Sarah, qui appelait Abraham son Seigneur. Alors, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Personne dans ta vie doit prendre la place de Dieu. Pourquoi je dis l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est quand tu mets quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est ton numéro un. Il y a des hommes là qui regardent cette vidéo pour qui une femme, une nana là, elle est, c'est ton sujet numéro un. Change ça.
Pourquoi? Parce que si tu idolâtres, si tu attends quelque chose, tu vas demander à cette personne de pourvoir à tes besoins. Il n'y a personne sur terre qui n'est assez suffisant pour pourvoir à tes besoins. Arrête cela, parce que sans cesse tu seras déçu. Et tu vas mettre une attente sur les épaules, et tu vas même abîmer la personne que t'aimes. Je pense que Sarah, sans faire exprès, elle a abîmé Abraham. Parce qu'elle attendait de lui quelque chose que Abraham, en tant qu'homme tout à fait normal, ne peut pas gérer. Voilà. Accroche-toi à Dieu, ma chérie. Bâtis ta relation avec Dieu. Bâtis ta relation avec Dieu. Deuxième conseil très simple. Deuxième conseil très simple. Arrête de forcer la main de Dieu. Vous le savez, mais c'est tellement tentant quand Dieu est en retard de lui donner un petit coup de main. Dieu, j'ai l'impression que moi, c'est une phrase que je disais tout le temps quand j'étais célibataire. J'ai l'impression que je suis tombé au niveau du matrimonial au ciel. Tu vois, s'il y a des anges pour le mariage, moi, je me suis dit, moi, je suis tombé sur un gréviste de la CGT des stations totales, tu vois. Le mec, il s'est barré. Il a dit, non, il y a des mauvaises conditions de travail au ciel. Je ne prends pas la prière d'Yvan Carluère. C'est pas possible. Du coup, j'ai essayé de mettre des petits coups de pression, tu vois. Mais tu fais quoi, là-haut? Et Dieu, à chaque fois, il me dit, laisse-moi le temps de te bénir. Cherche pas à court-circuiter le plan de Dieu. On est dans un monde de l'instantané. Tu vis une vidéo, cloc, tu tapes, t'arrives tout de suite. Au supermarché, t'as tout ce que tu veux en 30 secondes. On est dans le monde de l'instantané. On est déconnecté du réel. Dieu est le Dieu des saisons. Que vous le vouliez ou non, il y a des saisons, il y a des délais. Va essayer, et c'est Jésus qui le dit, allez chercher des figues sur un figuier en plein hiver. Vous allez voir si vous allez en trouver. Vous allez pouvoir dépouiller tous les corses, vous ne trouverez rien. Ce n'est pas la saison. Dieu est le Dieu des saisons et il fait toutes choses belles en son temps. Arrête de lui, tu sais, tordre le bras à Dieu. Tu veux pas me faire que j'ai un bébé, je vais faire avec la servante. Mais non. Vous êtes toujours là ou pas? Après, troisième chose, il faut noter. Chose importante, c'est que psychologiquement, vous savez, vous êtes corps, âme et esprit. Dans votre esprit, vous voulez servir Dieu. Mais Satan va utiliser votre âme, vos émotions, pour essayer de vous faire douter des choses de l'esprit, des choses de Dieu. Et du coup, il va essayer de mettre des mensonges. Il va te dire, mais regarde, Dieu ne peut pas pourvoir à tes besoins. Et Dieu est responsable de ce qu'aujourd'hui tu souffres. Ça vous est déjà arrivé d'entendre cette voix-là? Parce que ça existe depuis le jardin d'Éden, hein. L'Éternel a-t-il réellement dit, pourquoi il ne voudrait pas que tu manges à cet arbre? Peut-être il se garde les meilleurs fruits et toi, tu n'as pas le droit. Hein? Cette idée de comparaison, de « ah, ça, je n'ai pas, convoitise, clac, clac ». Le mensonge du diable, c'est quand tu es célibataire, je parle aux célibataires pendant 3 minutes, les célibataires, avec tout ce que vous regardez à la télé, avec ce que vous voyez de vos collègues, vous vous dites que si jamais vous n'avez pas une sexualité active, vous n'êtes donc jamais heureuse, jamais heureux. C'est faux. C'est faux. C'est Eric Dufour qui travaille avec Rachel, je vous invite à regarder leur vidéo. Oui, on peut être célibataire et épanoui. Je ne dis pas que c'est facile, parce que surtout tout le cliché de la société va vous pousser dans l'autre sens. Mais je peux vous dire qu'il y a des célibataires qui sont rayonnants, rayonnantes. En tout cas, le cliché de célibataire malheureux, c'est faux. C'est faux. Je ne dis pas que c'est facile, il y a plusieurs choses que l'on pourra peut-être voir tout à l'heure si j'ai le temps, mais c'est un mensonge du diable. Tu peux être heureuse et célibataire, je ne dis pas que ça durera tout le temps, je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi, mais enjoy the journey, apprécie le voyage. Parce que peut-être quand tu seras marié, tu diras, oh purée, si j'avais su. Deuxième chose, pour les personnes qui sont mariées, ça, c'est un autre mensonge, mais exactement en miroir inverse. Satan fait croire à des couples mariés que la sexualité est optionnelle et qu'on peut être épanoui sans sexualité. Et ça marche d'autant plus, et là je suis très direct avec vous, dans les églises. Pourquoi? Parce que pendant des années, on enseigne aux petits garçons, aux petites filles, en disant « fais gaffe au sexe, le sexe est dangereux ». Et ça peut créer, avec le puritanisme, des blocages qui fait que tu vois la sexualité comme quelque chose de limite pas bien. Et quand tu arrives dans le mariage, tu vois, pendant des années, on t'a dit « faut pas !» Et puis tout d'un coup, tu as la nuit de noces, et puis maintenant « il faut !» C'est pas possible.
Je vais dire en 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé, là, théologiquement. Du coup, ça fait des problèmes. Non, mais vraiment, je peux vous dire, j'en ai parlé avec tellement de monde, je peux vous dire, dans mes entretiens, j'ai arrêté de faire des entretiens, j'ai dit, maintenant, Eric et Rachel, vous gérez. Moi, je ne veux plus gérer ça. Mais c'est terrible le nombre de couples chrétiens qui dysfonctionnent, pas dans ce domaine-là. Et ça peut être la femme, ça peut être l'homme, hein, qui se dit, bon, allez, c'est optionnel. Non. Parce qu'à un moment ou un autre, c'est une bombe à retardement. Vous êtes corps, âme et esprit. Et l'union, elle est dans les trois niveaux. Sinon, elle est incomplète. Et au bout d'un moment, il va y avoir un déchirement. Vous n'allez même pas le voir arriver au niveau du cœur. Il y a un qui va faire son deuil et qui ne va pas le dire à l'autre. Et un jour, boum ! Un couple, ça se travaille tous les jours. Et surtout avec les années qui passent et la routine qui s'installe, je vous en supplie, choisissez, décidez d'aimer en disant, ok, je fais une différence entre ce que je ne peux pas et ce que je ne veux pas. S'il y a des blocages physiologiques, etc., où il y a des moments compliqués, je ne peux pas, psychologiquement, ton conjoint peut l'entendre. Mais je ne le veux pas là, là il va falloir travailler là. Tu ne peux pas juste mettre ça sous le tapis en disant « Ah ben c'est comme ça. » J'entends aucun amen, ni dans la salle, ni peut-être devant vous. Mais voilà. C'est marrant parce que quand j'ai dit des choses sur les hommes tout à l'heure, les femmes ont dit « Amen » et tout. Puis là, je dis un truc où normalement, c'est les femmes qui sont un peu, majoritairement, je ne veux pas faire de clichés, mais un peu dans le dur là, il n'y a aucun homme qui a osé dire « Amen ». C'est pas grave. Vous êtes toujours là ? Bref, Dieu veut ton épanouissement. Il veut que tu sois bien. Et je vais vous dire une chose. J'ai parlé des célibataires, j'ai parlé des gens mariés, je voudrais parler de ceux qui sont divorcés, de ceux qui sont veufs et qui doivent faire le deuil d'une relation. Quatrième point, laisse-toi le temps de guérir. Laisse-toi le temps de guérir. On va trop vite, mes amis. On veut passer d'une relation et faire comme si, deux, trois, allez, je suis guéri, je me réengage. T'es fou. Prends le temps de guérir. Ne t'embarque pas dans une autre relation tant que tu n'as pas guéri de la première. Tu sais pourquoi ? Parce que la première, ce n'est pas juste une personne. C'est une personne avec laquelle tu étais attaché, avec qui tu avais développé des rêves, des projets. Et donc, tu ne dois pas faire le deuil seulement de cette personne. Tu dois faire le deuil du projet collectif. Peut-être que vous aviez prévu d'aller en voyage. Peut-être qu'avec cette personne, vous aviez prévu d'acheter une maison. Et donc, du coup, en fait, même longtemps après la séparation ou après le décès, il y a des moments où, boum, il y a des bombes qui vont péter, en fait. Donc, ne te précipite pas à reconstruire quelque chose parce que tu as besoin d'un temps de deuil. Ouh ! Autre chose. Tu as le deuil du statut social. Je vous ai parlé tout à l'heure de Hagar. Le statut social, quand tu étais une madame, quand tu avais des capacités financières, tant que parce que tu étais mariée, parce que ton conjoint, vous savez que même aujourd'hui, au niveau de la retraite, les femmes sont payées en France, alors je ne connais pas pour tous les pays, vous nous regardez depuis plusieurs pays, mais je pense que c'est à peu près pareil dans la plupart des pays du monde, les femmes ont un tiers de retraite en moins que les hommes, notamment à cause des carrières hachées, de grossesse, etc. Donc les femmes ont une plus petite retraite. Et la perte du compagnon, de l'amour de votre vie, peut entraîner des grandes difficultés de statut social. Le danger, ça serait de se dire, allez, je me raccroche à quelqu'un comme ça. Fais pas ça. Tu sais ce que Dieu dit de toi ? Vous savez pas ? Il dit, tu es une créature merveilleuse. Je t'ai formé depuis le ventre de ta maman, je t'ai tissé, je t'ai préparé, j'ai calculé les jours de ta vie. Et lorsque tu te regardes dans le miroir, tu devrais dire, mon âme le reconnaît bien. Lève-toi les matins en disant, je suis la fille du roi des rois, je suis une princesse de Dieu. C'est à toi, tu peux le faire. Pareil pour les hommes. Ne dis pas que tu es une princesse dans le miroir, mais voilà, Dieu m'a choisi. J'ai fait des erreurs dans ma vie, oui, et tu sais pas quoi, il m'a pardonné. Est-ce que j'ai assuré dans tous les domaines ? Est-ce que je suis le leader que je voudrais ? Non. Est-ce que parfois j'ai promis des choses que je n'ai pas tenues ? Mais je sais qu'une chose, l'Éternel est avec moi. Et il me dit, aie courage, recommence, bâtis des choses, creuse, fortifie. T'es célibataire, sois un homme clean, sois un homme bien. T'es marié, bâtis ton couple, arrête de fuir. Tu crois que parce que t'as acheté des roses ou un bouquet de fleurs, ta femme va te sauter dessus le soir ? Mais non, ça c'est dans le téléfilm de M6 que t'as pas voulu regarder.
Mais non. Tu sais ce que tu vas devoir faire? Les gars, vous n'allez pas m'aimer quand je vais vous dire ça. Quand elle revient avec plein de problèmes, tu dis, chérie, explique-moi tes problèmes. C'est pas naturel pour un homme de dire ça. Nathalie, regarde pas ce vide. Ma femme, éteins, je parle pour les autres, je sais, j'arrive pas à l'appliquer, mais je sais qu'il faut le faire. Mes frères, prenez votre provision en Dieu, soyez courageux, et dites à votre femme, quel est ton problème, ma chérie? Et puis après, vous éteignez la montre, vous éteignez le portable, ça peut durer longtemps. Et vous dites, j'écoute. Et tu fais un hochement de la tête tous les 3 minutes minimum. Fais ce, je sais pas. Sois en pilote automatique. Tu dis, oui chérie. Et après, toutes les merveilles sont envisageables. C'est compliqué la vie, hein? Mes amis, quand vous sortez d'une relation qui a été importante pour vous, vous ne faites pas seulement les deuils de votre rêve, les deuils de vos projets, les deuils de votre statut social, de votre peut-être aisance financière, vous faites le deuil d'un autre truc dont on ne parle jamais. Et là, pour le coup, ça va calmer tout le monde. Enfin, ça va calmer tous les romantiques dans la salle. Le deuil de vos hormones. Parce qu'en fait, une grande partie de notre émotion affective, vous savez, on est corps, âme et esprit, j'arrête pas de vous le redire. Mais votre corps là, il va faire des trucs bizarres sur votre âme. Votre corps, il va arrêter de produire une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, avec un goût de « reviens-y ». Vous savez, l'ocytocine, c'est un truc génial qui est dans votre corps, qui fait que quand la maman, elle a un bébé et qu'elle lui fait un... Il y a des mamans dans la salle qui ont connu ça, ou toi devant ton écran? C'est même des papas, tu fais... Moi je me rappelle quand Shaina, elle était collée là, la première fois, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Physiquement, il se passe un truc, c'est pas que de l'émotion, c'est de l'hormone en fait. Ça me met un shoot, lorsque je fais un bisou à mon bébé, à mon enfant, ça me donne un shoot d'attachement, et c'est hormonal en fait. Ok? Il y en a qui n'ont pas eu de bébé ici, ok. Le premier jour où tu donnes la main à l'amour de ta vie, tu te rappelles ce qui s'est passé? Allez, faites un petit souvenir, ça remonte. Je vais vous confesser un truc. C'est que le jour, il s'avère que... Vraiment, Dieu m'a protégé. Il a vu que j'allais avoir tellement de problèmes dans ma tête qu'il m'a dit, je vais lui envoyer une femme géniale. Et j'ai eu qu'une seule chérie. La femme à qui j'ai donné la main, c'est la seule à qui j'ai donné la main de ma vie. Donc, tu vois, le mec, il a trop de bol, quoi. Gloire à Dieu, merci. Merci Dieu. Mais non, m'applaudissez pas, c'est juste une grâce, hein. Pour moi, pas pour elle, mais pour moi, c'est une... Et je me rappelle, en plus, c'était hyper mignon, on était au château de Crussol, à Valence, etc. Et ça fait 25 ans que j'étais là, le jour où je prendrai ma chérie par la main. Eh ben, j'ai pas été déçu. Parce que j'ai eu 25 ans d'ocytocine d'un coup, tu vois. Boum, tu vois, quand Dieu dit, ouvre les écluses des cieux, bam, je me suis pris un shoot émotionnel. Mais j'ai quasiment de la transpiration au niveau des mains, tu vois. Lorsque je lui ai donné la main, on passait sous la porte du château de Crussol. J'ai dit, c'est un truc de malade. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que je suis hyper romantique? Non, parce que j'ai eu de l'ocytocine. Donc parfois, vous dites, oh, j'ai besoin, j'aimerais aimer. Non, t'aimerais avoir un shoot d'ocytocine. Comme un alcoolo, il dit, j'aimerais un coup de pinard. Oui, mais parce qu'il a besoin de son shoot d'alcool. Ou le toxico, il dit, je me ferai une petite dose, c'est exactement ça. Sauf que c'est naturel. Donc ça oblige à être beaucoup plus humble et de reconnaître que vous avez un corps qui vous joue des tours au niveau de votre âme et que ça influence aussi votre esprit. Attention, vous allez avoir une période de sevrage. Personne n'aime les périodes de sevrage. Mais quand une relation s'achève, elle s'achève aussi d'un point de vue hormonal et vous allez avoir un temps... Le corps est bien foutu. Dieu sait exactement, sauf qu'il faut un temps de réadaptation, et pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, il va y avoir des manques au niveau des hormones. Tu vas dire, mais, et du coup, ne te précipite pas dans une mauvaise relation. Ok? Vous êtes toujours là? Je suis content que vous n'ayez pas éteint, hein? Parce que le meilleur arrive. Le point essentiel, c'est remets Dieu à la première place. Remets Dieu à la première place. Mais comment c'est possible? Remets Dieu à la... Ton bonheur affectif ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre que Dieu.
Parce que c'est trop fragile. Un être humain est trop fragile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer un être humain, au contraire. Mais ma source, elle est en Dieu. En Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi c'est extraordinaire de mettre Dieu à la première place? Pour deux raisons. Retenez ça. La première raison, il est le Dieu de la provision. Et tous ceux qui un jour ont fait confiance à Dieu, vous savez ce dont je parle là. Dieu est ma provision. Regardez Agar. Agar. Elle est dans le désert. Le désert, c'est un endroit sécheresse, transpiration, mort de soif, brûlure, tout négatif. Et vous savez que le petit Ismaël, quand il va grandir, il va devenir ado, et il va être un grand chasseur dans le désert de Paran. Alors du coup, j'ai pris une carte et je vous invite à regarder la carte qui s'affiche derrière moi. Regardez cette carte. Au moment où Agar est renvoyée, se fait virer, elle est tout à fait en haut sur votre gauche. Elle est dans le désert de Beersheba, au sud de Juda. Pas très loin du Sinaï, le petit truc en V. Et en fait, elle va s'égarer, nous dit le texte, dans le désert de Paran. C'est-à-dire qu'elle va partir de l'autre côté, elle va aller direction cette immense zone désertique qu'est l'Arabie Saoudite. Mais il n'y a pas que l'Arabie Saoudite là-dedans. Vous savez que dans quelques jours, il va se passer un truc dans ce désert. Il y a des hommes dans la salle ou quoi, là? Les gars, réveillez-vous! Vous allez embêter votre famille pendant 15 jours, 20 jours, en regardant les matchs de l'équipe de France, zut, quand même! Qu'est-ce qu'il y a dans ce désert de Paran? Il y a des petits pays et il y a des zones incroyables, comme par exemple le Qatar. Et le Qatar, c'est une des zones dans lesquelles va habiter M. Ismaël, parce que Ismaël, c'est le descendant de tous les Arabes qui vont habiter le désert. Et Ismaël, il va dire « Ouais, j'en ai marre, Dieu il m'a donné un pays pourri, il y a du sable, il fait trop chaud, etc. » Creuse! Parce que Dieu a mis des provisions, même dans le désert. Dans le désert, il y a des puits pour la soif. Et dans le désert, si tu creuses un peu plus profond, en 1930, les Qataris, qui étaient des bédouins qui crevaient la dalle, qui n'avaient rien, c'était un des pays les plus pauvres du monde, le Qatar, en 1930. C'est rien du tout, le Qatar. Le Qatar, ils n'existent pas. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui a eu l'idée, et si on creuse? Et si on creuse? Mais pas 10 mètres, tu vois, pas pour l'eau. Si on creuse 50 mètres. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? De l'or noir est sorti. Et le Qatar est devenu aujourd'hui un des pays les plus riches par habitant. Pourquoi? Parce que Dieu avait caché des provisions invisibles dans ton désert. Je parle à quelqu'un qui veut dire, je ne veux pas rester ici, hein, je ne veux pas rester ici. T'es bête parce que franchement, vu le gaz, vu le pétrole qu'il y a là-dedans, tu ferais mieux de creuser. Deuxième raison pour laquelle ça vaut le coup de rester, c'est que Dieu est le Dieu qui transforme tes désillusions en bénédictions. Parce que franchement, personne n'aurait parié sur M. Ismaël, et M. Ismaël va être le plan de Dieu. Tu sais ce que Dieu fait? Il prend tes mauvais plans et tes échecs. Je ne suis pas sûr que toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, Dieu en soit fier. Je ne suis pas sûr, regarde-moi, les choses que tu as faites dans ta vie, tu t'es raté toi aussi. On s'est tous ratés un jour. On a tous tenter des choses qui n'étaient pas bonnes. Et il y a des petits Ismaël qui sont nés. Et là, après, tu vois, notre réaction, ça serait de dire « Ah, je renie les choses dont je ne suis pas fier. » Arrête, parce que tu sais ce que Dieu va dire à Agar. Il va dire à Agar « Tu crois que ton fils, c'est une erreur. Je ferai de lui une grande nation. » Il y a quelqu'un qui va me dire « Mais non, pasteur, il parle d'Isaac. » Non, non, relis ta Bible, les deux. Les deux. Dieu va donner la même bénédiction aux deux. Parce que Dieu ne fait pas de différence et Dieu est celui des secondes chances. Il prend tes échecs et il les transforme en bénédiction. C'est pour ça que tu ferais mieux de t'accrocher à Dieu. Il est le Dieu qui transforme ce qui était des erreurs en réussite. Il transforme des désillusions en bénédiction. Alléluia. Prends soin de tes Ismaël. Tu ne sais pas si ça ne va pas devenir les princes du pétrole derrière. Waouh, je vous quitte. Avec le dernier conseil, prends le risque d'aimer à nouveau. Prends le risque d'aimer à nouveau. C'est pas facile d'aimer, parce que quand on a été déçu, c'est pas facile d'aimer. Prends le risque d'aimer à nouveau.
sais, puis arrêtons les clichés, quoi. Pas forcément. Je te demande pas de décrire physiquement quelqu'un. D'aimer, c'est une attitude de cœur. Tu sais, en période deuil, prends soin d'un être vivant. Moquez-vous de moi ou... C'est pas grave, mais c'est chouette d'avoir un chat. D'avoir un petit chien. Mais aimez-le. Ça vous fera du bien, vous savez pourquoi? Parce qu'il vous donnera de l'ocytocine. Parce qu'il vous fera un petit câlin. C'est bête, mais c'est bien. Si c'est un gars, tu achètes un berger allemand, c'est bon, fais ce que tu veux. Va faire du footing avec lui. Tu seras crevé avant lui, t'inquiète pas. Mais donnez de l'amour, en fait. Plutôt que pleurer bêtement sous votre genêt en attendant la mort, aimez. Aimez une personne. Aimez, soyez la marraine d'un enfant. Si t'as pas d'enfant toi-même, tu sais pas quoi, fais un heureux, fais une heureuse. Parraine un enfant, deviens une provision de Dieu pour cet enfant. Fais du bien à quelqu'un. Tu sais, la petite cousine que personne ne calcule, sois une maman géniale pour elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent cet appel? Et Dieu dit, mais alléluia, c'est top! Et puis peut-être, oui, il faudra un temps où tu pourras aussi retenter une histoire avec quelqu'un que tu devrais aimer, qui sera différente de la personne d'avant. Ah. Vous savez, on voudrait tous des mirages dans le désert. Et je termine parce que le mirage, c'est lorsque tu es très fatigué, tu regardes au loin et tu dis, oh, il y a de l'eau. Vous avez déjà entendu parler des mirages, je ne sais pas s'il y a un mirage, mais mirage, tu as quelque chose qui s'affiche et tu crois que c'est de l'eau. Et le mirage, c'est trop facile parce que le mirage, tu as l'impression que ça descend du ciel en fait, tu n'as rien à faire. Elle est là. Il n'y a pas de mirage. Arrêtez d'attendre un mirage qui tombe du ciel dans votre vie. Vous savez ce que Dieu va révéler à Agar? Ce n'est pas un mirage, il va lui révéler un puits. Le mirage, il tombe du ciel. Le puits, il se creuse. Et Dieu te dit, la provision, elle est là. Je ne la ferai pas tomber du ciel, je l'ai déjà cachée dans ton entourage. Tu vas creuser, ma chérie. Tu vas creuser, mon chéri. Alors que je vous quitte, Agar, c'est le dernier verset, elle est au bout de sa vie. Elle est seule, elle a tout perdu. Elle a perdu son statut social, elle a perdu son job, elle a perdu sa famille. Elle n'est même plus en Égypte, elle ne s'est même pas retournée chez ses parents. Elle a juste son enfant, son ado qui est en train de gémir. Il est allongé, il ne marche plus. Elle est loin, elle s'est mise à 100 mètres. Elle dit, je ne veux pas voir ma vie. Peut-être que quelqu'un a été dans cet état-là. Elle alla s'asseoir à une centaine de mètres plus loin car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Et quand tu as commencé cette vidéo, tu étais peut-être dans cet état-là. Et le truc le plus incroyable, c'est que ce qui a attiré Dieu, c'est que Dieu a promis des choses qu'il n'a pas eu le temps de te donner. Et tant que ce que Dieu t'a promis n'est pas arrivé, tu vas vivre. Et Dieu a promis à Agar que son enfant serait l'ancêtre d'une grande nation. Alors Dieu ne laissera pas l'enfant mourir. Parce que c'est sa parole. Et quand Dieu donne sa parole, rien ni personne ne peut l'empêcher de l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alors toi, tu es là, comme Agar, en train de pleurer. Tu sais que le problème, c'est que quand on pleure, on ne voit plus rien, mes amis. Parce que les pleurs, ça nous aveugle. Il y a quelqu'un qui, en cet instant, est peut-être comme aveuglé, tu as des pleurs plein les yeux, tu ne vois plus rien. Et tu entends juste la voix de Dieu, et peut-être la voix de Dieu, elle te parle au travers de moi. Et Dieu dit, j'ai entendu l'enfant. Lève-toi! Affiche le texte, s'il te plaît. Je veux qu'on lise la parole de Dieu. Lève-toi. Relève le garçon. Car je ferai de lui une grande nation. Mes amis, au moment où elle reçoit cette parole, c'est la dernière chose qu'elle a envie de faire. Elle dit, franchement, Dieu, là, laisse-moi mourir en paix. Et Dieu lui dit, non, déjà, tu vas te bouger. Tu vas te lever. Et je pense que pour Agar, elle se dit, ben, c'est vraiment la dernière fois. Hein. C'est le dernier truc que je fais. Elle se lève. Et Dieu lui dit, tu ne vas pas seulement te lever, toi. Tu vas aller relever l'enfant. Tu vois, c'est,
c'est pas qu'au sujet de toi, c'est ton bien-être émotionnel et affectif dépend du bien que tu donnes aux autres. Et elle va chercher l'enfant, et l'enfant il est raide, il est en train de mourir sous un genêt, l'enfant. Et elle, regardez le texte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre l'enfant. L'enfant, elle va le lever. Elle va prendre ses dernières forces. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si elle l'apportait à l'Éternel, en fait. C'est comme si elle disait en cet instant, « Seigneur, ce que tu as promis est entre mes mains maintenant. Et je crois que tu es le Dieu de la vie. » Donc, ce que je te propose de faire alors que s'arrête ce message, c'est de croire que la parole de Dieu est plus forte que tes émotions. C'est de croire que la personne de Dieu est plus fiable que ton ex. C'est de croire que Dieu est celui qui a caché des provisions invisibles dans le désert et qui a transformé ce que tu penses être ton humiliation en bénédiction. Écoute, je te quitte en te disant, à ce moment-là, au moment où elle lève l'enfant, c'est là qu'elle voit les puits. Tant qu'elle ne s'appuyait pas sur la foi en Dieu, elle ne voyait rien. À partir du moment, c'est Pascal Sens qui m'a révélé ça, c'est un pasteur qui vivait un moment très difficile, il me disait ça avant-hier soir, il me dit, Yvan, je choisis de croire Dieu et je lève sa parole et sa parole, par la foi, déclenche la vision. Dieu veut t'ouvrir les yeux en cet instant. Peace.
déclare-le pour ta vie. Et que les cœurs brisés. Est-ce qu'ensemble on peut juste faire monter cette prière vers Dieu en cet instant? Ouvre les yeux de notre cœur, Père. On désire te voir, on désire te voir sous la forme d'un enfant à relever, d'un mariage à sauver, d'une relation à creuser. Père, tu vois tes enfants ici, tu vois ta fille, tu vois ton fils ici, soit dans cette salle, soit devant son écran. Avec ce trou béant, avec ce manque affectif, cette situation qui ne peut pas durer. Tu connais tout de nous et on n'a rien de plus que quelqu'un qui ne te connaît pas. On n'est pas naturellement plus aimant. On n'est pas naturellement plus équilibré. On n'est pas naturellement plus généreux. On est juste comme les autres. Mais on a une différence. C'est qu'on t'a toi. Et lorsqu'on compte sur toi, lorsqu'on s'appuie sur toi, lorsqu'on marche avec toi, lorsqu'on proclame ton nom, lorsqu'on marche avec la foi, tu es celui qui dans un désert nous trace un chemin. Tu es celui qui dans un désert nous révèle les positions des provisions que Dieu avait placées à l'avance. Tu as dit que tu changerais notre deuil en allégresse. Je prie pour que quelqu'un en cet instant ait la force de se relever, d'aller relever quelqu'un à côté de lui. Et de lui dire ensemble, on va rentrer dans les projets de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois que Dieu a envie de faire un cœur à cœur avec toi. Comme une prière, je vous invite à prendre ce chant. Parce que ce moment-là, Dieu veut le vivre avec toi. Je suis là dans ta
je suis là dans ta présence. Chantons-le. Son corps lié de l'entropie dans le tombeau fut déposé. L'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie. Lève ta voix aujourd'hui comme jamais auparavant. Chante aux gloires. Oh, bravo de notre Seigneur. Gloire à son nom. Tout le monde.
J'espère que ça vous a fait du bien d'entendre ces louanges-là. Et j'espère que tu n'as pas que entendu, que tu as proclamé également. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, à toi qui es devant ton écran, j'étais tellement fier d'être à côté de toi aujourd'hui. Mais franchement, t'es ma bénédiction du jour. Tellement heureux. Écoutez les amis, même les meilleures choses ont provisoirement une fin. Parce que je vous annonce que non seulement on va se revoir la semaine prochaine, mais on va passer l'éternité à louer Dieu. Et là, il n'y aura plus de larmes dans les yeux. Hein. Et ceux qui n'étaient pas tout à fait contents de leur statut affectif sur la terre, mes amis, le ciel s'écoule. Ah là là. Des fois, les premiers seront les derniers. Hein. Et les derniers seront les premiers. Waouh. Je vous donne juste une seule annonce avant de vous quitter. On terminera quand même avec « Maintenant, je vis », quoi. « Maintenant, je vis ». Et je pense qu'il y en a qui vont repartir. Tu vas éteindre cette vidéo. Toi, tu vas sortir de cette salle. Mais tu dis « Je vis, là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je me lève, je prends l'enfant, etc. » Dans quelques jours, le dernier week-end du mois de novembre est le week-end de Thanksgiving. Et je trouve que c'est une belle fête. Les Juifs, le peuple d'Israël, faisaient la fête des moissons. Ils remerciaient Dieu pour les moissons. Et les premiers immigrés là-bas aux États-Unis ont dit « On prendra un temps pour louer Dieu ». Voici ce qu'on va faire. Pour toutes les choses que Dieu a faites pour nous cette année, je vous invite d'amener un objet ou deux objets, mais quelque chose qui a de la valeur. Et je parle notamment à des parents dans la salle parce que tous les groupes d'enfants, les petits, les minis, les enfants de 6-10 ans, les collégiens, les lycéens, les jeunes adultes, tout le monde, on va faire une espèce de méga challenge solidaire à MLK qu'on va appeler le Thanksgiving solidaire. On va faire une méga brocante un petit peu, si vous connaissez plus ce mot-là, dans l'espace Giroux en bas. Et vous pourrez déposer un objet et pouvoir faire votre choix pour acheter un autre objet. Mais l'avantage, c'est que tous les bénéfices, 100% des bénéfices, iront pour nos activités jeunesse et pour offrir aux familles qui sont en difficulté à Noël de passer un bon Noël. Donc c'est 100% solidaire et ça aura lieu le dernier week-end de novembre. Donc amenez des objets de qualité le dernier week-end de novembre, un objet dont vous savez que votre enfant pourra le vendre, qui a de la valeur, et tous les bénéfices 100% redistribués pour les œuvres sociales, pour la solidarité et pour nos groupes de jeunes. Je veux que nos jeunes puissent aller en camp d'ado, en colo, qu'ils puissent rencontrer Dieu et on va juste bénir, voilà. On va prendre des petits Ismaël, des petits Isaac et on va améliorer leur vie. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est un beau projet. C'est un beau projet qui nous donne la vie. Merci pour tous vos dons. Grâce à vos dons financiers, l'église MLK peut chaque jour continuer d'exister. Si ce message existe et si on a la chance d'avoir Hillsong aujourd'hui avec nous, on est content d'avoir Youth FR. Merci d'être là. C'est aussi grâce à vos dons financiers que vous nous permettez de travailler pour Dieu. Vous pouvez donner à jeveuxdonner.fr. En sortant, vous pouvez également faire vos dons, vos offrandes, dire « Voici Seigneur, la part qui te revient. Tu es en premier dans ma vie et ça se voit dans mes finances. » Si vous avez besoin de la prière, on peut également prier avec vous. Je veux prier, donc prière@eglisemlk.fr. Et à la fin de ce temps, vous pourrez avoir un moment de prière avec l'équipe qui est là. C'est quelque chose d'important. Ne lâche pas cette vidéo, ne lâche pas ce temps en disant « C'était juste un moment éphémère. » Non, il est avec toi. Dieu t'a entendu, Agar. Dieu t'a entendu. Et il a entendu les cris de l'enfant à côté. Et pour vous deux, il va faire quelque chose. Et ça, c'est merveilleux. Maintenant, je vis. Vous êtes prêts à partir de ce lion, louons Jésus. Hey. Allez, tapons les manchons. Tu veux moi. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de Dieu aujourd'hui? Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Allez, tu me relèves, tu me montes, tu m'éveilles. À jamais je veux ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Le soleil baisse et les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Lui
aujourd'hui. Vous êtes prêts à chanter ensemble? Hey. Voir le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur, oui tu fais toujours. Allez, j'aimerais vous entendre, lève ta main aujourd'hui. Hey. Voir le soleil. Hey. Voir le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.